Salut tout le monde, c'est Jacques dans cette vidéo. Bon, je vais tout simplement vous montrer l'historique de Getting Over It, qui est tout simplement dans Just Cause 4. Donc Getting Over It, c'est quoi? Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est, les easter eggs, etc. Le temps d'y aller et de trouver l'easter eggs. Donc c'est tout simple, c'est simplement un jeu où on a un homme qui est dans un chandreau et il a un marteau et il faut qu'il monte tout en haut d'un endroit bizarre, une sorte d'univers avec un peu de tout qui est mélangé. C'est vraiment un jeu bizarre. Donc Just Cause 4 a décidé de mettre un easter egg en rapport à ce jeu. Et l'easter egg est juste ici, voilà. Donc je vous montre, c'est juste ici. Voilà. Et c'est pile ici. Hop, donc utiliser. Oh, il y a eu un petit bug. Je crois que c'était qu'on n'était pas censé en fait. Je peux la faire. Il est où le marteau là? Bon. C'est extrêmement bugué. Donc on va essayer de tout réinitialiser en s'éloignant. Après j'ai la deuxième histoire que je vais vous montrer. Pas dans cette vidéo, dans une prochaine vidéo. Puisque je crois que cet easter eggs là, j'ai tellement de choses à tester sur l'easter eggs que il faudrait beaucoup de temps. This easter egg is a homage to a game which is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Bon. Et je vais me suicider puisque c'est long. Meurs, Rico. Hop, voilà. Ah bah attends que ça finisse de charger. C'est bien présenté un easter egg qui bug. J'ai plein d'easter eggs. J'ai eu un petit bug. Donc je viens de... Oui, il y a un hélicoptère là-bas. Mais par contre, Just Cause, si vous l'achetez, préparez-vous à... Pourquoi il y a eu un bruit d'écho? Si vous achetez Just Cause, préparez-vous à ce que votre cerveau... C'est quoi ça? C'est une tempête de neige. Ouais, c'est une tempête de neige. C'est la première fois que j'en vois une dans Just Cause. Bref. Hop, bah elle est vite partie. Je crois que les tempêtes qui durent le plus longtemps, c'est les tempêtes de sable. Non, on va pas se précipiter. On va essayer de le faire. Wow. Ok, c'est très difficile, hein. Ouais, sauf que le jeu n'est pas autant buggé que celui-là. Il y a des mods de créateurs de jeux qui sont faits pour pas créer les mêmes jeux que d'autres. C'est pas du jeu.
pas du jeu. Il est tellement vrai. Ah, vous voulez savoir ce qu'il dit? The Cauldron Hammer climbing mirror is an example of a perfectly tuned game mechanic that's in harmony with the physics system. Better fight. It's better to destroy a thousand pieces of a dictator's infrastructure and forget than to have never destroyed anything at all. Rico Briefing. C'est comme après on peut tricher. On devrait vouloir nous montrer quelque chose à la place Mora. Quand l'aura rapporté derrière nos lignes, on pourra parler de stratégie pour la zone à Uno. This Easter egg is a homage to a game which is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Why did I make this? I could have made another silly weapon or pop culture reference. No! Most people like those. But not everyone's the same. I created this Easter egg for a certain kind of person. To hurt them. Ok, donc dans cette vidéo, je sens qu'il va en avoir de Easter eggs. Pas tout seul. Ça, c'est le gars qui savait rien faire, tu vois. Au moins, je sais marcher avec ce chaudron. J'aurais pu faire le jeu entier comme ça. Pas le milieu, mais... Being fed food. Don't worry. That's culture too. Boom. Playing Just Cause is like constantly teetering on the edge of chaos. Actually, there is no edge to teeter upon. Mario Frigo. Il nous manque Mario en plus. Hein. The Cauldron Hammer climbing here is an example of a perfectly tuned game mechanic that's in harmony with the physics system. Better fight. Non mais attendez, je suis seul à bloquer mon marteau comme ça quoi. It's better to destroy a thousand pieces of a dictator's infrastructure and forget than to never destroy anything at all. Rico Briefing. En fait, ça se joue avec une seule gâchette, donc c'est... Peut-être comme ça, en faisant comme ça. This Easter egg is a homage to a game which is a homage to a free game that came out in 2002. Appelle Bannett. Why did I make this? I could have made another silly weapon or pop culture reference. Most people like those. Bon. Alors, on est censé monter par là, donc là c'est mon record. Hein. C'est clairement là. Monter par là. Avancer là. Là, là. Là. Et là, il y a X pour accélérer où on doit aller, sûrement. Et là, il y a la fameuse étoile satellite. Donc, allez, ça se voit qu'elle est faite juste pour pouvoir qu'on puisse monter dessus. Bref, prochain Easter Eggs. Donc, le prochain Easter Egg. Oui, j'en ai vite marre.
Il se trouve tout simplement très proche de l'aéroport. Il faut que je le retrouve. Il y en aura deux d'historiques, trois dans cette vidéo. Donc très proche de l'aéroport. Où il se trouve là? Ah, ici, hop. Donc ici, il y a un aéroport. C'est très mince. Ah. Hop, ici, il y a un aéroport et c'est très proche. C'est juste ici. Donc, oui, on peut mettre le point là. Donc, hop, déplacement. Brunjo, puisque Brunjo il a une bonne tête. Donc c'est un easter egg assez spécial. C'est juste très proche d'ici, c'est juste ici. Donc c'est un historique que je garderai avec moi si on a toujours, c'est juste ici. Pas dans les combines d'Espinosa. Et si on tire avec cet arc, c'est des vaches. Et moi je peux devenir une vache. Et vous vous demandez sûrement, ça fait quoi? C'est au tir sur une vache avec le pistolet à vache. Et ben ça fait ça, les gars. Donc, ceux qui ont joué à Just Cause 3 savent ce que c'est. C'est le commandant, je sais plus comment il s'appelle. Oh, par contre, faut viser le ventre. C'est le commandant de Just Cause 3. Son coup. Donc. Je vais voir si je peux tuer, genre. Voilà. Alors, donc le voilà, là, on le voit très bien. Ça reste le corps d'une vache, donc il... Voilà, mais... Voilà. Regardez, il me fuit. Je veux vivre dans un monde fait de vaches. Transformer tout le monde. L'animation des vaches qui fuient. C'est bien pour regarder son shoot sans... Parce que là, tu peux pas dire... Ouais, je l'ai touché, là. Parce que, il se transforme dès que tu le touches. Ensuite, prochain... Easter eggs. Donc c'est tout simplement ici, je crois. Il faut que je regarde. Pas sûr. Ouais, ici plus. Donc c'est juste ici. Donc on va se déplacer avec Bonjo. Dans la prochaine vidéo, deux easter eggs seront présentés. Deux easter eggs. Ou elle est un peu fun et un autre complètement fun. Et je crois que ça va clairement être mon easter egg pour faire le protéger Rico.
Hop, donc c'est juste ici. Donc c'est l'histoire le plus flippant de Just Cause, hein, selon moi. Hop, vous prenez ça, hop, vous verrez. Bah ça marche pas. Voilà, et ça fait quoi? Je... Hop, voilà, je préfère. Donc, par exemple, si on... Cosmo, mets-vous tous en vache! Je décime toute la population en vache. Il y aura prochainement une vidéo sur cette histoire, exemple. C'est bon? Ah, putain, il y a du sang. Si j'en mets une boule de tête, ça fait quoi? Bon. Donc avec l'histoire, ce que j'ai activé, par exemple, si on fait hop. Pardon. Parce que moi, j'avais déjà fait l'Easter X. Du coup, je l'avais désactivé. Donc normalement, vous, vous l'avez directement. Donc normalement, si vous vous cognez, ça fait... Voilà. Donc en fait, à chaque fois que je me blesse, en fait, bah en fait ça rigole. Et c'est très stressant. Et je crois que ça fonctionne même avec les véhicules, c'est pour ça que j'ai pris cette moto. Faut bien que je me cogne de manière à m'envoler. Allez là, d'ici nous. Ah, je sais comment m'exposer. Mais c'est vrai, normalement, je m'expose à chaque fois que je fais ça, quoi. Allez là, explose-toi la face. Oh, tout le monde, ça sera très simple. Voilà. Si on se fait tirer dessus, je crois pas qu'il a. Je crois que c'est sûrement genre quand on se cogne ou quoi. Je peux pas faire venir les. Ah bah si. Voilà. Ce qui est drôle, c'est quand tu tires avec le pistolet à vache, t'es quand même recherché, tu vois. Alors. Non, quand on se fait tirer dessus, on n'a pas. Ouah, ça rigole pas ici. Tenez, transformez-vous en vache. Wow, esquivez, hop. Toi, t'es à moi. Hop,
on va s'amuser un peu, hein, tant qu'on y est. Hop, on va se casser. Hop, boum. Boum. Mince, pardon. Quand ils sont morts, ça marche pas. Mais vas-y là, vous êtes. J'avoue, il a sauté. Tiens, transforme-toi, vache. Je suis l'homme le plus méchant de terre. J'adore leur véhicule en plein cela. Par contre, les motos et tout qui vont se suicider. Non, parce que là, il y a un animal qui m'intéresse pour mon. Parce que j'ai un truc à faire en fait. J'ai eu un défi. Rigole pas le QG, dis donc. Il y avait un animal noir là. Noir et blanc, je sais pas, je regarderai dans le rec, mais. Ah, il est là. C'est quoi comme animal? C'est un. Non. Bien si. Tu crois que moi je rigole? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Voilà. Alors. On va l'accrocher. Au revoir, bibiche! Ah, bibiche. Moi, j'ai déjà fait cet animal, tiens. Bibiche? Quelle méchanceté envers bibiche. Et pour fêter ça, comme à chaque fin de vidéo de Just Cause. Très bien. On va s'exploser contre un mur. Nickel. Voilà, à plus.